Je veux dire... La lecture de Zenryu Kan quand il est pas en train de gagner des tournois. Ouais, voilà. En gros. Voilà, il bah, fait la preuve, hein. Il perd et il lit des mangas. C'est en plus. Allez, c'est parti. Maxi Sam versus Sim Leon. Alors, c'est pas Sorbexos cette fois, mais, Sorbexos c'est le partenaire d'entraînement de Sim Leon. On va voir si le match-up lui joue en sa faveur, puisque Sim Leon connaît du coup un peu le match-up. Bah, pour le coup, le match-up il est pour WeFit, je pense. Parce que Rob, gros sac à combo, etc. Et WeFit peut le gérer au loin, vu qu'elle peut crouch les projos. Oui. Mais le truc, c'est une fois que tu te mets, fais mettre off stage, full, tu te fais downer par le Rob. C'est du free spike WeFit. Vraiment. Donc. Nice. Et on voit, tu vois, comme je te dis, Sim Leon qui est pour l'instant. Pour l'ascendant ouais, oh là là là, Maxi Sam qui charge le Kaioken et qui lui met un bon bolossage des familles. Kaioken, ça enchaîne, ça ride. Alors là, le up smash, il a vu un truc là. Vraiment, il a vu le futur. Nice pari. D'ailleurs, faudra inverser le pseudo, mais ça on fera après. Ah oui. Ah, c'est dommage, les petits setups qui sont loupés à la tout au gyro posé sur le sol. Ouais. Mais ah, c'est bien trouvé quand même. Hein. Le ballon, je trouve qu'il disrupte vraiment bien parce qu'il passe au-dessus de la gyro et qu'il vient péter les noisettes à Rob qui est assez énorme, donc c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, le ballon qui revient, ça peut niquer la gyro, la faire partir. Oui, ouais, partir dans tous les sens. Mec, quand j'ai joué là, mon réflecteur il servait à rien sur le ballon. Ouais, bah ouais, ça sert à rien de réflexe. Tu réflectes pas le ballon de WeFit, il fait des trucs trop bizarres. Ce ballon il est mystique, hein, vraiment. Oh, bah, nice, upper. Ouais, bien trouvé, hein. Ça passe, attention Maxi Sam. Pourquoi je devrais arrêter de dire des choses? Voilà, out of shield, si tu bourres alors qu'il est quasi invincible. Nice. Ça combo, nice la Jairo qui protège le landing. Nice, super, il revient agressif. Oh là là, ça couvre tellement tout le back air. Le back air. Ok. Ah, ça me va bien. Ah, il couvre tellement tout le back air d'Europe, franchement, c'est une super arme. Hein. Ouais. Surtout que WeFit c'est un personnage qui est très très lent dans les airs. Donc Rob, je pense avec ses hitbox qui dure assez longtemps, il a moyen de... je suppose que bien timé il peut catch les air dodge, juste il catch tout, tu vois. Ouais. N'empêche que les projos des deux persos se complètent. Oui, ça, il se mystifie un peu, il se nullifie. Surtout le gyro, il arrive pas, il passe ni le B, ni le side B. Oh là, il y avait un back air. Oh là là. Faut prévoir les retours du ballon. Y'a des dingueries. Là, mais putain, là on sent le joueur de Wii. Là, c'est ça, on l'a senti là. Faut prévoir le retour de ballon. Toujours, mais en vrai, c'est tellement fort. Allez, y'a pas. Mais il a toujours une box. Mec, le Rob. Mais mettez putain d'aérien, l'espèce d'attardé. Pardon. Tu veux dire espèce de Maxi Saucisse, c'est ça? Non, mais sérieux. On est PG-13. 4 fois, il s'est pris le retour du ballon à un moment puni, espèce d'attardé. Ouais, non, pas que j'ai quelque chose contre les attardés. Child friendly. Alors, franchement, je suis la dernière personne à mettre au casque si tu veux. Mais non, tu gères bien. Si tu veux du famille friendly. Oh là là là. Ouais. Franchement, il maintient bien la pression là, Simon. Hein. Maintenant, il suffit qu'il gride pas trop. Oh putain. Ce down tilt. Oui. Le retour de ballon qui avait. Oui, oui. Là. Mais au Kaioken là sur un vieux smash il meurt la cible à 60%. Surtout ouais. Avec 150% de rage hein, donc moi je trouve il fait un peu trop le malin devant Maxi Sam qui est en Kaioken, tu vois. Allez downer. Oh là là là. Mais... Ah non, il préfère être sous la plateforme. On est sympa sous la plateforme. C'est neutre à l'air. C'est vrai qu'il y a un peu tout qui tue là, pas besoin d'aller jusque là. Mais quand même je trouve ça dommage. Vraiment pour moi c'est sur ce point précis que Rob il fait tout le match-up. Mais oui, il trouve bien les. Il cache bien les soins avec ses lasers. Hein. Franchement Il sait ce qu'il fait. Hein. Ça joue propre, upper, ouais, propre. Ça combo. Oh, ça s'est fait tendre. Ouf. Le neutral qui passe. Ah, ça c'est pas de chat en vrai. Jeu. Ouais, ouais, c'est genre ok, il a traversé. Ou c'est de la chatte pour Sim. Oui, ouais, alors, ça aurait été de la chatte que ça touche, mais. Ouais. Mais en tout cas, c'est dommage vraiment. Oula, 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 oula. Ça reste à distance de sécurité. Ouais, à 5 Sonic ennemis. Bing, bing. Nice, le dernier. Et pourtant, je pense qu'à la longue, la Wi-Fi elle gagne hein, le jeu de camp. Hein. Ça, c'est bien. Il y a un moment où. Ça a du mal finir, on sait. C'est mieux, il agresse, hein. Aïe aïe aïe. Oh là là, nice! Ok! Il était à droite ou c'est moi là? Ah, mais ça, c'est le coup de. C'est le nid de. C'est le nid de WeFit, ça. Ah, je joue pas off-stream, je joue off-stream. Allez! Y'a pas quelqu'un. Bon champ. Quelqu'un vient cast? Allez, viens, Abaddon! Abaddon! Arrête-toi! Ouais, j'arrive, je suis là.
Donc là, il y a Maxi Sam qui vient de mettre un nid. Je prends, il a mis un nid avec Wi-Fi. Ouais, mais comment a-t-il fait? Le bonsoir, je suis avec Zen Ryukan au cast. Comment que c'est? Attends, je vous montre la trône de Abaddon. Et en fait, regardez que. Il y a tout le monde, c'est ce qu'on dit. Oh, on se monte au tableau. Et ouais, Wi-Fi, elle peut mettre un nid. Wi-Fi, elle peut mettre un nid. Bah ouais, le up smash de Wi-Fi, elle a le coup vers le haut et elle met un nid sur le côté. Il a tué et le nid, il a tué avec le nid là. Oh là 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 là. Et on salue Sekpa là qui est sur le. C'est Max Sam. Attends, je. Je vais gérer le stream, regarde. Si ça c'est pas de la vie. Non. Ok, j'ai fait le malin. On est reparti avec Maxi Sam et Sim Lion en Wi-Fi donc contre Rob. Ouais, bah. Il s'est bien débrouillé dans le match-up. Hein. Maxi Sam, c'est ouais. Ça. Ok, ça marche. Même si vous franchez d'être dans le du mauvais coup côté. Oui, la Wi-Fi de Vanilla. Ouais, non, La pure Wi-Fi de Vanilla. Et tu sais qu'en plus il a perdu son skin normalement en skin match. Ah pourquoi? Il jouait quoi comme skin? Bah il joue celui-là. Mais il a pas changé de skin alors qu'il avait le. Il l'avait perdu. Ah ouais, carrément. Ce qui fait de lui un mauvais être humain. Et Sekpa, je pense qu'il doit être indigné. Lui qui a l'habitude de voler des skins des gens. C'est un voleur de skins, Sekpa. Sekpa, il va encore frapper, à mon avis, au Stanis Smash. Ah oh, ouais, vraiment. Enfin, il participe à la crew, mais je pense qu'il participe aussi au Stanis Smash. Oui, j'imagine. Je vais te dire, si tu fais que l'un des deux à un moment. Ouais. Genre, pourquoi tu viens, quoi? C'est ça. Genre, t'es où, quoi? En fait, c'est toi le capitaine alors de la. Ouais, je suis le capitaine de messe. J'ai fait. Il a pas voulu, hein. Non, en fait, je crois que l'histoire c'est que. Ah, c'est un mineur, c'est... Non, c'est plus représentatif le Jazzy, moi, que. Toi qui est le. Comment on appelle ça, le Jazzy de messe? Moi, c'est. Jazzy qui est le. Ouais, un peu. Nancy, c'est ça en fait. C'était ça en fait. C'est presque ça, tu vois. C'est donc ça la vraie histoire, c'est que. C'est que. Vous l'inventez tout seul votre rivalité Zen Jazzy, mais bon. Bon, par contre, je sais pas si t'es d'accord, mais là on papote un petit peu de notre vie alors qu'en fait il faut. Ouais, mais est-ce que ma vie n'est pas plus intéressante que ce match? Après, oui! C'est Rob Wi-Fi, donc voilà. Ah, mon pied! Putain, Zen! Ah merde, ça c'était ton pied, pardon! Putain, Zen, franchement! Et oh! On dit pas de gros mots en stream, hein, ouais, non, bah moque-le, je m'en fous. Hein. Je t'en fous là, je m'en fous. 182% pour Rob, il est toujours sur le terrain. Hein. Non, mais là, y'a tout qui tue. Y'a tout qui tue. Vraiment. Y'a absolument tout. Allez. Et si Wi-Fi active le casque, ça va faire mal. Run for your life! Le ballon qui met une pression de ouf là, mais avec le petit pour l'envoyer. Il fait le malin avec ses setups, mais il sait pertinemment que ça sert à rien. Et après, ça, on va tuer. C'est moi, il l'a tué avec son ballon. La première stock de Steam Lion était perdu. Putain, il l'a tué avec le ballon au milieu du stage. En même temps, je crois qu'il avait presque 200%. Hein, ouais, clairement. Moment, mais il avait 200%. Il aurait peut-être mourir, monsieur, hein, comme on dit dans le milieu. Non, il dire, il se rétend, putain. Mais oh, ah, voilà, il a trouvé la conversion. Oh là là, les 76% là qui viennent d'arriver tellement. Il a pas fait la conversion au petit. Mais sachant, c'est pas mal. En plus, il était pas en Kaioken. Hein. Mais c'est vrai en plus. La conversion au petit après un air, c'est de très souvent de faire le side bait Wi-Fi. Le machine extrêmement de rapide. De 20 à 70%, ça. Le smash qui tue Wi-Fi. La Dance Road Rob qui a un coup qui est en terre. Hein. On adore tellement ses coups. Ah, vraiment. Parce que Smash Ultimate est un party game. Et on aime tous les moments de mashing dans les party games. Merci monsieur Sakurai de nous avoir offert ce party game. Vraiment. Sakurai dans notre cœur à jamais. Non, en vrai Sim Liu, il met tellement de la grosse pression au corps à corps avec ses down tilt, ses jabs. Il mixe pas assez bien entre les jabs, la grab, etc. Le down tilt de Rob est vraiment très fort. Bah, c'est un pierre feu ciseaux ambulant le truc. J'ai envie de dire, en fait, c'est comme le down tilt de Kirby. Hein. C'est horrible. C'est pire que le down tilt de Kirby. Ah, c'est le down tilt de Kirby, en fait, il peut tellement te faire tomber. Sauf que là, c'est tellement rapide. Là déjà il est rapide, il peut te mettre assis, donc en fait t'es assis, ouais. Tu contestes et Kirby dit donc maintenant que tu es assis, je te grabe et tu prends tout ce que je te mets. Je crois que t'as une chance sur trois de faire un trick avec ces moves là. Oh, le smash qui est pas passé. Et l'animation en fait à mon avis il a pris pile à la fin de la game. Ça a zéro frame active le F smash de Wi-Fi. Tu sais ça a moins de frame active que le F tilt de Wi-Fi. J'ai envie de dire après ça tape des deux côtés, c'est super fort. Bah non, en fait c'est pas très utile en ledge rap parce que tu pourras jamais couvrir et la roll et la normal get up. De toute façon, est-ce que Wi-Fi t'as besoin de cette smash pour tuer? Bah bon, oui voilà c'est ça. Elle a un F-hit relativement puissant et elle a surtout le Kaioken monsieur.
Mais en vrai, surtout que... Comment... C'est pour ça que je dis à chaque fois, WeFit, arrêtez d'utiliser votre F-Smash en ledge trap. Vous avez un F-Steel, bande de... Bande de... Même à Dantilt, en fait, non ? Le Dantilt est pas trop mal, avec oui, même le Dantilt, d'ailleurs. Enfin, c'est mieux que le Dant Smash. Le F-Smash. Parce qu'en là, plus... c'est compliqué, ils sont tous les deux à plus de 150%. Là, ça tue. Ah, c'est terminé. Ulia ! La Dantro... Non, c'est la Upthrow, pardon. Ouais, non, la... Parce que la Dantro, elle est en terre, donc... Là, il s'est pris la... Il a pris la sauce. Il s'est pris la sauce, la sauce crémée de luxe, là. La sauce de Rob, hein. On peut voir sur le visage de Rob qu'il est content. Ouais, non, mais vraiment, parce qu'on aime les personnages bien animés. Il y a WeFit, hein, WeFit, c'est un cadavre, hein, Zen. Tu peux confirmer, hein, toi qui joues à WeFit. Hein. Je pense que WeFit est une femme de qualité. Vous avez vous êtes juste aveugle. Vous êtes aveuglé par votre... On ne juge pas, chacun ses préférences, voyons. D'où vous jugez pas? D'où tu juges pas? On ne juge pas, monsieur. Genre, on ne juge pas, on se moque, c'est différent. C'est bien différent, ça, monsieur. D'où? Non, ça c'est Rondoudou, monsieur. J'avoue. Rondoudou quand il fait un L, side B. D'où? En vrai, là, ah, il exploite bien le désavantage de Rob, parce que c'est vrai que Rob, tu le mets dans... Petite toupie qui a été cueillie, littéralement. Tu sais que t'as des putains de combos à faire avec ça, avec WeFit. Ah, mais la toupie, elle est très bien. Tu te mets en l'air, tu lances ta toupie vers le bas, et après tu peux comboter avec un downer. J'ai déjà vu des combos toupie toupie avec Falcon, en fait. Ouais, voilà, t'as des trucs de ouf, c'est pour ça que j'adore affronter Rob. Rob, tu peux faire des trucs trop bien avec sa toupie. Le ballon qui est resté complètement... Maxisam, il a des déplacements étranges quand même. Alors il y a des fois il va bien bouger, ok. Il y a des fois juste il va faire des marches bizarres, pas très opti, je trouve. C'est un peu dommage quand même. Il pourrait plus optimiser son jeu. Là, il est en Kaioken. La toupie à l'edge c'est quand même chiant avec Rob, hein, parce que c'est quand même un objet de pression. Ben... Tu rolls, tu te la tapes, tu fais une get up à la limite, tu l'envoies. Après heureusement WeFit c'est un des meilleurs ledge rollers du jeu. Du coup tu peux... C'est chiant, mais tu prends tellement pire avec les autres personnages, tu vois, que... WeFit elle s'en sort bien. Mais WeFit c'est fort sur ce jeu, hein, contrairement à ce qu'on pense. Non, en vrai les gens ils commencent à s'en rendre compte que c'est fort. Il y a juste Mjolnir qui l'a mis l'au tiers. Je dis techniquement que depuis le début ça reste fort, c'est juste que les gens ils ne le voient que maintenant comme tu le dis. Mais encore, tu sais que Mjolnir là sur sa dernière... le fer. Sur sa dernière tier list, il l'a mis l'au tiers WeFit. On met pas WeFit l'au tiers. Bah oui. Il va mettre un bon gros high-tier. Oui, c'est un gros high-tier, c'est tout. Un très gros high-tier. Comme Orb. Franchement pour moi c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais je la mettrais presque au top, enfin aux portes du top tier. En fait pour moi elle serait top tier si elle avait pas d'aussi mauvais match-up, tu vois. C'est ça en fait. Mais elle se fait pourrir par Kirby, Pikachu... Tous les petits trucs quoi. Ouais, partout les petits trucs. Un peu chiant à choper. Game & Watch... Alors que c'est vrai contre Rob elle peut bien s'en sortir. En fait c'est que WeFit soit elle a des très bons match-up, soit elle a des très mauvais match-up, tu vois. Il y a pas juste milieu, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu comme Falcon qui se fait un peu saigner par le jeu. Y'a pas de juste milieu, Falcon juste est nul. Falcon il se fait saigner par le jeu, mais on aime le jouer. Respect Falcon dans notre cœur, à jamais. Oh. On aime Falcon. Oh le... Pray for the waifu les gars. On est là. Et putain mais il va le encore tuer avec son ballon à force. Il a tellement de pression, ça va tuer avec le ballon. Et il arrive pas à tuer 100%. Mais pourtant là y'a tellement tout qui tue. En vrai je cherche un move qui tue pas. En vrai je trouve que Maxime... Là même une grappe ça tue. C'est vraiment le mec... Enfin après, je remarque que Simlion aussi, ils hésitent vraiment à aller edgeguard. Là, il vient m'étonner avec ça. Bah, ah, il est où le matching? Pourtant, il faut faire BBBBB. T'as loupé les inputs ou quoi? Et oh, il s'est passé de belles choses. Judy qui a été upset. Alors, je crois qu'en fait, Judy vient de se prendre la power. Vient de se prendre la power, Jason. Et bon bah. Un propre GB3 de Same Lion. Indy a battu Judy. Il a pris le power Jaser. Judy n'est pas.